Hello tout le monde, c'est Benjino et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça sera un petit squad builder, une hybride argent et franchement une hybride qui est pas mal du tout. Comme d'habitude en 4-1-2-1-2, franchement c'est ma formation du moment, donc j'arrive bien à jouer avec, donc je reste avec ça pour le moment. On va passer maintenant tout de suite au gardien de but qui joue en SPL et c'est Forster. Et Forster, franchement les gars, il est monstrueux, enfin moi je l'ai trouvé monstrueux parce que regardez déjà les stats, 74 de plongeon, 77 de jeu à la main, 78 de réflexe, 77 de positionnement, et en plus de ça, il fait 2m01. Franchement, il a une amplitude dans les cages, franchement, il est vraiment très très bon, moi j'ai vraiment kiffé. Après, on passe maintenant au défenseur central, il est anglais, il joue en SPL aussi, et il joue au Celtic. C'est Wilson, donc voilà, Wilson, c'est vrai qu'il n'a pas des stats énormissimes, mais bon, il fait le taf, il n'y a pas de souci. À côté de lui, un autre joueur du Celtic, c'est Emiliano Ezaguirre. Désolé si je l'ai mal prononcé. Voilà, je pense que tout le monde le connaît, 80 de vitesse, 72 de passe, 70 de dribble, 74 de défense et 71 de tête, très bon latéral. On passe maintenant à l'autre défenseur central qui est de l'autre côté, qui joue en Liga BBVA et c'est Alvaro Gonzalez. Voilà, Alvaro Gonzalez, hein, 72 de vitesse, 73 de défense, 78 de tête. Peut-être son seul petit défaut, c'est qu'il fait 1m80, mais vous inquiétez pas, vous pouvez compter quand même sur lui. C'est un très bon défenseur. On passe maintenant au latéral droit et ce latéral droit, c'est Laure. Laure ou Laureano, je crois, voilà, Laureano. Voilà, 80 de vitesse, c'est ce que je recherche un peu chez mes latéraux. Après 71 de défense, il m'a quand même surpris, il a fait quand même le taf. Hein. Voilà, le milieu défensif, il est espagnol, il joue en Elas Liga, et c'est Vitolo. Alors Vitolo, c'est un des joueurs qui m'a surpris dans cette équipe quand j'ai joué avec. Parce que je me suis dit au début, 64 de tête, 1m68 pour un milieu def, c'est un peu léger. Mais après, 73 de vitesse, 72 de passe, 72 de dribble et 72 de défense. Donc franchement, il récupère pas mal de ballons et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est assez à l'aise. Vous voyez, 3 étoiles de geste technique, 3 étoiles de pied faible pour un joueur argent en milieu def, c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, ce qui est bien, comme je vous dis, il relance vraiment très bien et c'est très très pratique. Franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, on passe au milieu droit et le milieu droit, c'est Owusu. Et Owusu, bah les gars, pas besoin de vous le présenter, tout le monde le connaît, si tout le monde le connaît grâce à Psycho 17, et franchement, il est énormissime, moi je l'avais déjà essayé 2-3 fois, mais là, j'ai vraiment bien géré, surtout qu'en ce moment, je m'essaye un peu à skiller, donc franchement, j'ai apprécié, j'ai bien dit j'essaie, hein, parce que je sais pas comment Axolotl il fait, mais c'est pour moi, c'est le Cristiano, quoi, le Cristiano de la manette, le type. Franchement, il est juste impressionnant, bref, on reste dans le squad builder, on passe maintenant au milieu offensif. Et milieu offensif, je suis sûr que vous pensez tous que ça va être fait de Fetfazidis, mais non, ça sera Christadopoulos. Donc Christadopoulos, franchement, c'est un très bon milieu off. Vous avez vu, 78 de vitesse, 72 de tir. Franchement, on les ressent dans le jeu car j'ai mis 2-3 frappes avec lui et c'était plutôt pas mal. 73 de passe, qui est correct pour un milieu off. 75 de dribble. Après, ses stats en def et en tête, on s'en fout un peu. On ne lui demande pas de défendre et de mettre des têtes. 1m83, 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles de pied faible, franchement parfait pour un milieu off. Ensuite, on va passer au milieu gauche, et ce milieu gauche, il joue en SPL, et c'est Mac et Steven. Donc Mac et Steven, c'est pareil, pas besoin de vous le présenter. 5 étoiles, geste technique, 85 de vitesse, 79 de dribble, 4 étoiles de mauvais pied. Franchement, il est vraiment intéressant, quand surtout en ce moment, je vous ai dit, j'essaye de skiller, donc franchement, c'est intéressant de jouer avec ce joueur, et il est plutôt surprenant dans le jeu. Après, on va passer au buteur, il joue aussi en SPL, et dans la même équipe, il est écossais, et c'est Roussel. Donc Roussel, voilà, je vais pas vous mentir, je l'ai cru, parce que 90 de vitesse, en plus de ça, il me fallait un lien fort pour que Mackay Steven ait 9, donc j'avais pas trop le choix non plus. Après, 90 de vitesse, 64 de tir, franchement, sa stat, c'est un petit peu vrai, parce que des fois, vous... Enfin, ça dépend. Un coup, il peut vous mettre des super frappes. Un coup, il peut vous mettre des frappes de merde. C'est vraiment aléatoire. 78 de dribble, ce qui est bien. 75 de tête, très très bien. Pour un joueur 1m78. Il est gaucher. 2 étoiles de pied faible. Ça, c'est chiant parce que mauvais pied. Parce que vu qu'il est côté gauche, quand vous rentrez sur votre pied droit, il vous met vraiment des chaussettes mouillées. Quoi. C'est pourri ses tirs, c'est abusé. Ensuite, 3 étoiles geste technique. Donc voilà, attaquant assez intéressant. Et ensuite, à côté de lui. Il joue en Elas Liga et il est là, les gars, Fetfazidis.
Donc c'est Crazy 10, pareil, pas besoin trop de vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de pied faible. Il est gaucher, lui par contre c'est intéressant car quand vous rentrez, vu qu'il est côté droit, vu que vous rentrez avec son pied, vous pouvez mettre des enroulés ou des frappes même directement sur son pied, sur son bon pied, donc ça c'est très intéressant. Ensuite vous avez vu 5 buts en 6 matchs, donc c'est très correct. Après le seul défaut que je peux lui reprocher c'est qu'en buteur, il est un peu léger physiquement, parce que des fois je rentrais des trucs, mais alors derrière je me faisais rattraper ou je me faisais défoncer physiquement, et ça franchement ça faisait un petit peu rager. Mais sinon un joueur très intéressant. Donc voilà les gars, ça va se terminer là-dessus. De toute façon, je vais vous mettre des petits clips derrière. Donc moi, ce que je peux vous dire sur cette équipe, j'ai vraiment kiffé. Si vous aimez faire du skill, etc., franchement, elle est pas mal du tout. Ensuite, c'est solide défensivement, un très bon gardien, un très bon milieu défensif qui m'a vraiment surpris dans cette équipe. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter, à me dire si vous avez testé l'équipe, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Hein. Faut bien entendre un peu tout le monde. Je passe aussi un big up à OnlyFIFA comme d'habitude, car je vais faire uploader la vidéo sur leur chaîne. Je vous dis salut à tous et je vous laisse avec les clips, les gars. Ciao! With the shit, you can tell by how I handle it. So I be killing every fucking map I'm in, I'm back again. Niggas try and block me out, these ladies try and let me in. PA show me love, cause I Keystone represent. 18 killing them, with money I'm getting fresher than willing them. Working overtime for a million. And this is hip-hop, bitch, you can sit down. Bum when I was younger, but I bet you want me this down. Ballin', inbound, haters to see me shining in they frizz down. But nigga, I'm gon' stunt, blit out, High numbers all digital, dope rhyme killer with my penthouse minutes flow. So why change up? You said that you was grinding, but you ain't, bruh. You want the same stuff. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebels, we soon to be a superstar. Hard work, get on your job. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebels, we soon to be a superstar. Hard work, get on your job. One day away from home, a week away from traveling, I'm living on a roll, so studios, I'm relaxing in. Official with the shit, you can tell by how I handle it, so I be killing every fucking map I'm in, I'm back again. Niggas try and block me out, these ladies try and let me in. PA show me love, cause I Keystone represent. 18 killing them, with money I'm getting fresher than willing them. Working overtime for a million. And this is hip-hop, bitch, you can sit down. Bum when I was younger, but I bet you want me this down. Ballin', inbound, haters to see me shining in they frizz down. But nigga, I'm gon' stunt, blit out, High numbers all digital, dope rhyme killer with my penthouse minutes flow. So why change up? You said that you was grinding, but you ain't, bruh. You want the same stuff. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebels, we soon to be a hard work, get on your job. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebels, we soon to be a superstar. Hard work, get on your job. Mouth full of hatred, serious game, so I don't play with it. Whatever you got, my team taking it. School of hard knocks, class of gentlemen, you late for it, so I don't think it's safe to tell you where the graduation is. Seem like everywhere I go, people notice me. I'm performing at the show you left home to see. Now I'm holding cheese, can't go a day without smoking weed. Murder beats, killing shit, first degree. Aw man, they don't wanna start again. Turbulence is crazier than a retarded man. Killing regardless, man, these lames should be ashamed. Walking around like this Sean Carter, man.
I came up, they say I changed up. It's money everywhere, hate, but we remain us. Man, I'm so smooth, new nigga, old school. So recognize I won't lose. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebel, sweet, soon to be a superstar. Hard work, get on your job. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebel, sweet, soon to be a superstar. Hard work, get on your job. Hey yo, right from the gate, dog, this shouldn't be no rush. Shining on them other niggas, we just doing us. That's how I was taught. Rhyme sick, shine quick at an island resort. Cause life too short. I'm 18 with a flow similar to Big and Joe. East Coast niggas hoes, see us and we pick and roll. Yeah, that's the lifestyle. Tim Gray said, fuck it. Look at me right now. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebel, sweet, soon to be a superstar. Hard work, get on your job. I'm a high school dropout, hard with the flow. Skateboards and this weed smoke is all that I know. Young rebel, sweet, soon to be a superstar. Hard work, get on your job. Dédé et monsieur Philippe et Santana, pas besoin de les présenter, hein, c'est les prototypes même du joueur fut. Hein. Grand, rapide et solide et bon de la tête. Ensuite, on a Alexandro. Donc, Sandro, c'est pareil, hein, tout le monde le connaît, très bon défenseur.